Pérou News d'aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Roré Fossati heureux que Paolo Guerrero commence à jouer dans le football péruvien. L'entraîneur de l'équipe nationale péruvienne a souligné que Paolo Guerrero continuera à démontrer sa validité en Liga 1 après avoir signé avec César Vallejo. Roré Fossati a commencé son travail à la tête de l'équipe nationale péruvienne en attendant ses débuts officiels le mois prochain lors du double rendez-vous de la FIFA, où il affrontera le Nicaragua et la République dominicaine lors de matchs amicaux qui auront lieu à Lima. L'entraîneur devra annoncer la liste des convoqués pour ces duels, dans lesquels l'inclusion de l'historique Paolo Guerrero apparaît comme une possibilité après avoir signé avec César Vallejo. À 40 ans, l'attaquant jouera pour la première fois dans le football péruvien et Roré Fossati se réjouit de sa validité. Je suis heureux que Paolo commence à jouer dans le championnat péruvien. Il a démontré toute sa hiérarchie à l'étranger et, l'année dernière, il a démontré sa validité en défendant le LDU. Non seulement faire partie de l'équipe, mais aussi être un protagoniste du tournoi équatorien et de la Copa Sudamericana. Fossati ouvre les portes à Guerrero. Paolo Guerrero, buteur historique de l'équipe nationale péruvienne, est revenu au bicolore en 2023 et est venu jouer dans les 6 matchs disputés jusqu'à présent lors des éliminatoires sud-américains. Malgré l'âge du Predator, Fossati a insisté sur le fait que ses conditions pour une éventuelle convocation prévaudraient. Je n'ai aucune méfiance quant à la validité de Paolo. Logiquement, il continuera à le démontrer. Ce n'est pas un joueur qui erre à travers le monde pendant 5 ans, ce n'est pas le cas de Guerrero. Il est en train de devenir un joueur actuel, c'est pourquoi j'insiste pour que vous ne regardiez pas la carte d'identité, mais la performance. Regardons la validité, l'actualité, car la hiérarchie a été trop vue, a-t-il déclaré. Dans le prolongement de la Liga 1, Roré Fossati a assisté à différents matchs des 2 premières journées de la Liga 1 2024, notamment à Lima, lorsque l'Alianza Lima et l'Universitario de Deportes étaient à domicile. Cependant, le Charrua a indiqué qu'il envisageait de voyager à Trujillo. Paolo Guerrero débutera avec César Vallejo le 18 février, ainsi que dans des villes d'altitude. Pas seulement pour Paolo, la possibilité d'aller voir un match à Trujillo est latente, surtout dans la plaine. Je n'exclus pas d'aller voir le match à Cusco, mais il y a plusieurs choses à organiser, a-t-il déclaré. Après les matchs amicaux du mois de mars, l'équipe nationale péruvienne aura encore 2 tests en juin avant de commencer sa participation à la Copa América qui se déroulera aux États-Unis. Ensuite, en septembre, reprennent les qualifications sud-américaines, dans lesquelles le bicolore occupe la dernière place. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.